الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir chez vous et soyez les bienvenus dans le cadre de cette émission, le message de l'islam. Ce soir, nous parlerons des préjugés sur l'islam et nous recevons sur ce plateau un frère qui vient de Paris, un prédicateur. Il s'agit de Eric Younous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous êtes là dans le cadre d'une série de conférences que vous allez animer pendant le mois de Ramadan. Vous allez sillonner Port-Gentil, Franceville, et vous êtes à Libreville dans le cadre de cette série de conférences. Déjà, peut-être pour commencer, soyez les bienvenus dans notre pays. Je vous remercie, c'est un honneur pour moi d'être ici, d'être parmi vous. Et je voudrais rendre en premier lieu la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de venir vous visiter. Et dans un deuxième temps, de venir ici dans ce plateau pour m'adresser directement aux Gabonais. D'accord. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet qui concerne les préjugés sur l'islam, peut-être rappeler les différentes conférences que vous allez animer, les thèmes des différentes conférences que vous allez animer à Libreville, Franceville et Port-Gentil. Déjà à Libreville. Alors les thèmes sont différents et variés. Mm-hmm. Bien évidemment, la première des choses que je me dois absolument d'aborder, c'est le Ramadan. Mm-hmm. Ce premier jour de Ramadan qui a été hier, une grande adoration. Une des plus grandes adorations des musulmans. Donc la première conférence que j'ai donnée était les 7 trésors du mois de Ramadan. De même, nous allons enchaîner avec, Inch'Allah, d'autres thèmes tels que « Mon paradis est dans ma poitrine »,« Qui adores-tu ?» Donc la connaissance d'Allah, « Qui sommes-nous face à Allah ?» Aussi se poser des questions sur ce que nous sommes, ce qu'est le péché, la notion de péché en islam, la notion aussi de repentir en islam, la femme future de l'islam, qui de même est une conférence. Beaucoup de thèmes variés. D'accord. Alors, on revient peut-être sur vous. Vous êtes européen, vous avez embrassé l'islam, vous êtes converti à l'islam. Déjà, peut-être avant de venir sur les raisons de votre conversion à l'islam, qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous êtes prédicateur, vous êtes imam, vous êtes encore étudiant, vous êtes chef d'entreprise? Alors, je suis encore étudiant, il me reste encore un an pour compléter mon cycle de Master 1 en théologie comparée et de spécialisation de la jurisprudence et de ses fondements, la jurisprudence islamique et de ses fondements. Lorsque je rentre l'été, j'anime, alhamdoulilah, la prière du vendredi, dans une grande mosquée, qui est la mosquée de Gennevilliers, sur Paris. De même, je suis professeur de langue arabe et de prononciation du Coran et de lecture du Coran dans une madrasa, dans une école Coran. D'accord. Ok. Alors, vous êtes étudiant à l'Université islamique de Médine? Oui, exactement. En Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite. D'accord. Donc, quelles sont les raisons qui vous ont amené à embrasser l'islam? Pourquoi pas d'être devenu musulman? À vrai dire, la question de l'islam ne s'est pas posée directement pour moi. La première des questions qui s'est posée, c'est comment adorer Dieu de la façon que lui, il acceptera. Donc, par rapport à cela, moi étant chrétien à l'origine, j'ai beaucoup cherché. J'ai beaucoup lu sur la chrétienté. Les différents mouvements, les différentes tendances. J'ai lu aussi sur le judaïsme. J'ai lu aussi sur le bouddhisme. J'ai essayé de voir un petit peu les différentes écoles philosophiques pour voir si moi, justement, en tant que créature de Dieu, je pouvais trouver dans cela un véritable bonheur et une véritable conception de la vie avec le sentiment de satisfaire mon Seigneur. Et je dois bien vous avouer que lorsque j'ai lu sur l'islam, les réponses se sont faites extrêmement claires. Une religion simple. Une religion où la relation est faite directement entre l'adorateur et son créateur. Donc on peut dire que vous avez eu la démarche de ce célèbre compagnon du prophète, alayhi salam, qui s'appelait Salman al-Faris, le chercheur de la vérité. Donc vous avez cette curiosité intellectuelle d'embrasser l'islam. Je crois sincèrement que toute personne sincère se doit de s'interroger. Mmh. Et peu importe la religion que nous avons à l'origine, il faut tenter de chercher de trouver les réponses. Si maintenant nous sommes face à quelqu'un qui ne sait pas nous donner les réponses, ou alors face à une religion qui n'arrive pas à répondre à des véritables besoins que chacun d'entre nous rencontrons, je pense qu'à ce moment-là, il faut commencer à se poser une question sur d'autres religions. D'accord. Alors, quand vous décidez d'embrasser l'islam, l'entourage immédiat, votre père, votre mère, vos soeurs, vos frères, vos amis,
la réaction. Alors, bien évidemment, par rapport au visage médiatique qu'a l'islam à l'heure actuelle, c'est une chose qui fait peur, malheureusement. C'est une chose qui fait peur, donc il a fallu pour moi toute une période d'éducation, toute une période de justification de mon choix. Alhamdoulillah, une chose qui s'est passée, qui a été extrêmement positive, c'est que mon entourage a vu, d'une part, mon comportement s'améliorer, d'autre part, mon respect pour mes parents s'améliorer. Lorsque je me suis converti à l'islam, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, alhamdoulillah, j'en ai 31. Donc, ce cheminement personnel, je me suis rendu compte que parler simplement de l'islam était une chose, le vivre en était une autre. Et celui qui vit l'islam a une lumière dans sa poitrine qui va forcément éclairer les gens autour de lui. Au bout de 6 ans de ma conversion à l'islam, pour vous dire, ma mère qui était farouchement opposée à l'islam, s'est convertie à l'islam. Donc, et les amis, fréquentation, vous avez systématiquement arrêté avec les... ou bien vous avez gardé quand même certaines relations avec tes amis? Non, absolument pas, non, non, non. Alors, mes amis et mes fréquentations, j'ai toujours été entouré de gens qui m'aimaient. Donc les gens qui vous aiment veulent pour vous le bien, peu importe votre choix. Donc j'ai été face à des gens qui ont accepté mes choix. Et je dirais plus qu'ils m'ont encouragé. J'ai des amis non musulmans, lorsque je leur ai parlé du fait que je voulais partir en Arabie Saoudite pour étudier, ils étaient vraiment contents pour moi et m'encourageaient à cela. Donc non, j'ai eu ce qu'on peut appeler des véritables amis. Des amis justement qui voulaient pour moi le bien. D'accord. Donc le fait d'aller en Arabie Saoudite, vous êtes parti pour perfectionner ou améliorer vos connaissances sur le plan islamique, comprendre bien cette religion. Exactement, parce que l'islam est une religion qui a plus de 1400 ans. C'est une religion qui a un système juridique. C'est une religion qui, dans sa simplicité, sait traiter tous les aspects de la vie des hommes. Donc partir en Arabie Saoudite, pour moi, c'était plus que creuser mes connaissances. C'était reprendre tout à zéro et reprendre ses connaissances. Par exemple, lorsque je suis parti en Arabie Saoudite, je ne savais ni lire ni écrire une seule lettre en arabe. J'y ai appris l'arabe, j'y ai étudié, et aujourd'hui, alhamdoulilah, je peux dire que j'arrive à être imam dans une mosquée. Alhamdoulilah. Nous allons faire un retour en arrière, 1400 ans avant, donc vers le 7e siècle, en parlant de l'arrivée de l'islam dans ce milieu. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché l'islam à la Mecque, aux Arabes, et il fut un temps où il a été appelé à partir de la Mecque pour Médine. On parle de l'hijra, de l'immigration. D'aucuns, les détracteurs de l'islam, parlent d'une fuite. Alors, quelle est la bonne conception et l'approche de ce départ du prophète de la Mecque pour Médine? Vous posez très bien la question. Une fuite, mais quelle fuite? Peut-on parler de fuite lorsque nous avons un homme qui, pendant 13 ans, patiente, appelle les gens à l'islam, dans un contexte, je vous rappelle, où la Mecque est le centre névralgique du commerce dans tout le Moyen-Orient. Le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'appel et bénédiction de Dieu soient sur lui, lorsqu'il amène ce message-là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de remettre en question tout le commerce de ces Arabes polythéistes qui profitent de l'ignorance des gens afin de leur soutirer leur argent. Donc il devient un danger. Il est un danger pour eux, à cette époque-là, il est un danger pour les voleurs, pour les menteurs et pour les hypocrites. Le fait maintenant qu'il commence à appeler à l'islam, il est persécuté, il est torturé. Ses compagnons sont assassinés, torturés chaque jour pendant 13 ans de son existence. Les personnes les plus faibles parmi les musulmans sont très vite préservées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les envoie en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, tenue par un roi chrétien. Ce roi chrétien connu pour sa justice, son sens de la justice, les accueille à bras ouverts. Deux fois, deux groupes de musulmans partent se réfugier et sont protégés par ce roi chrétien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au dernier moment, reste le dernier à la Mecque en tant que musulman et ne laisse personne derrière lui. Il part à un moment où un assassinat est prévu contre lui. La nuit même de son assassinat, il préserve sa vie. Est-ce une fuite de préserver sa vie? Est-ce une fuite de patienter pendant 13 ans? Et est-ce une fuite que de préserver tous les musulmans, les envoyer avant lui à Médine, pour ensuite les rejoindre par là? Voilà donc autant d'interrogations qu'on peut se poser. Donc le prophète n'a pas fui la Mecque, voilà, il s'est juste préservé et il a préservé les siens aussi. Bien sûr. Voilà, donc en parlant toujours des conceptions, peut-être des préjugés que certaines personnes ont sur l'islam, peut-être revenir sur le personnage central du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sommairement, qui était cet homme?
qui sortait de nulle part, qui ne savait ni écrire ni lire, qui n'a fréquenté aucune école ou bien aucune grande université, mais il sort avec un message aussi grand, un message universel. Qui était-il, cet homme? Alors ce message universel, ce message si grand, vous soulignez très bien qu'il ne savait ni lire ni écrire. La raison en est très simple, c'est que ce message en a lieu. Et que l'éducation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçue, c'est une éducation émanant de Dieu pour lui. Ça, c'est un premier élément extrêmement important. Le deuxième élément, c'est dans quel contexte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive-t-il? À qui s'adresse-t-il? Il faut savoir que la langue arabe est la langue de la poésie, par excellence. Il faut savoir que lorsqu'un homme voulait prouver sa valeur, il devait faire des poèmes en public, afin que les gens voient son éloquence. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux Arabes, il s'adresse à des maîtres de l'éloquence. Et Allah, afin de répondre à ce besoin précis d'éloquence, lui révèle le Coran, qui en lui-même recèle les plus hauts degrés d'éloquence. Et lorsque les Arabes entendent le Coran, simplement l'entendent, ils se convertissent à l'islam, subhanallah. Ce personnage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un personnage compliqué, c'est un personnage simple. C'est un personnage plein de patience, plein d'amour, de compassion, qui sait aimer les gens, qui fait aimer les gens et qui éduque la population. Il était le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, la meilleure des créatures qu'Allah ait jamais donné sur cette terre. Pas plus, il était le plus grand. En fait, on va dire qu'en parlant de sa générosité, de sa moralité, même avant l'islam, il était déjà reconnu comme quelqu'un d'honnête. Il était appelé Al-Amin, c'est-à-dire celui à qui on peut confier le dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçoit le message de l'islam, il a tout un passé. Et ce passé, comme vous l'avez dit, c'est d'être reconnu comme un homme droit, comme un homme juste, comme un homme qui ne ment jamais. Un homme, s'il vous dit que telle chose est ainsi, et tout le monde aurait pu le jurer. Donc, tout ce travail avant le message de l'islam, de la construction de sa personnalité, est un élément extrêmement important, car lorsque vous avez par exemple un homme qui vient, qui est connu pour être un menteur, pour être quelqu'un, un voleur, et qu'il vient vous ramener un nouveau message, bien évidemment, vous n'allez pas le croire. Mais si vous avez un homme qui est connu uniquement dans le bien, dans le fait d'aider les gens, dans le fait d'être la représentation même de la miséricorde envers les gens, cette personne-là, bien évidemment, son message va avoir un poids. Et les gens vont l'écouter. Et c'est ce qui s'est passé avec le message de l'islam. Alhamdulillah. À l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation, le message universel. Ce message est le Coran. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est ni plus ni moins que la parole d'Allah, la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un livre inspiré, c'est un livre révélé. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de son propre chef pour dicter le Coran, mais c'est une révélation directe de Dieu à lui. Ce Coran devient le guide de la communauté musulmane. C'est le livre de chevet de tout musulman. Bien sûr. Aujourd'hui, certains détracteurs parlent des versets sataniques autour du Coran, parlent d'un message qui ne serait pas universel. Alors peut-être, quelle est l'explication réelle du contenu de ce message? L'explication réelle du contenu de ce message, c'est une relation exclusive entre la créature et son créateur. Ça, c'est la chose la plus importante. On a tendance parfois, avec ce visage médiatique un peu diabolisé qu'on fait de l'islam, qu'au final, l'islam, c'est même pas une religion. Subhanallah. Qu'au final, l'islam n'est pas vraiment une religion. Et pourquoi est-ce que telle ou telle personne décide de devenir musulman? La réponse est que l'islam est une religion. L'islam est la religion, par excellence, de l'adoration d'Allah, lui seul et unique. C'est la première des choses. Après cela, le Coran, bien évidemment, répond aux besoins de l'humanité. Aussi bien il y a 1400 ans que maintenant, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, mais jusqu'au jour de la résurrection, le Coran apportera des réponses. Des réponses au niveau de la société, des réponses au niveau personnel, des réponses au niveau juridique, des réponses au niveau de la propriété privée. Toutes ces réponses-là sont contenues dans le Coran. C'est une réponse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. » Voici le livre auquel il n'y a aucun doute. Il est une guidée pour les pieux. Et c'est ce qu'est le Coran, une guidée pour. Un message, le Coran détient le message universel. Dans le Coran, nous avons les récits des anciens prophètes. Dans ce Coran, nous avons la conduite à suivre. Dans ce Coran, nous avons
le message d'Allah adressé à l'humanité, que ce soit les hommes et les djinns. Pour parler du contenu de ce message, le Coran relate certains noms des grands prophètes. Bien sûr. On peut les connaître, ces prophètes, que beaucoup peut-être ignorent que dans l'islam, on se résume au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, pas du tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il vient avec, comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à tous les prophètes le même message. Ne m'adorez que moi. Ça, c'est le message. C'est un message qui est le message qu'Allah a donné à ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient et répète ce message tout comme l'a dit Jésus, Isa, tout comme l'a dit Moïse, Moussa, tout comme l'a dit Adam, alayhi salam, c'est-à-dire Adam, notre père à tous, tout comme l'a dit David, tout comme l'a dit Salomon, tout comme l'a dit, tous les prophètes de la Bible sont reconnus au sein même de l'islam. L'islam est venu pour dire attention, attention, certains écrits ont été perdus. Il nous faut absolument revenir à l'origine et donner un message qui sera purifié de toute falsification, de toute altération. D'accord. Alors, autre préjugé que des gens portent sur l'islam, la mort. C'est un mystère. Et vous, peut-être à votre conversion, on ne vous a pas posé cette question de savoir, alors quand vous allez mourir, qu'est-ce qu'on fera de votre corps? Est-ce qu'on doit rapidement le précipiter dans la tombe ou on va l'enterrer comme les rituels que nous connaissons habituellement, grande cérémonie, par preuve d'amour, on vient pour faire ses adieux. Bien sûr. Déjà, il faut, comme vous l'avez dit très justement, c'est une preuve d'amour que les gens font la plupart du temps lorsqu'ils font ces grandes cérémonies. D'accord. Ça, c'est une chose qu'on ne doit absolument pas remettre en question. Ces gens-là, lorsqu'ils font une cérémonie, lorsqu'ils font une veillée, lorsqu'ils invitent leurs proches, c'est une preuve d'amour pour leur mort. La question à ne pas se poser, ce n'est pas la justification ou non de cette cérémonie pour eux. La question à se poser, c'est qu'est-ce que l'islam dit de ce type de cérémonie? Il faut savoir que le musulman est heureux de rencontrer son Seigneur. Nous avons même une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dans la traduction nous dit, où le mort dit, amenez-moi à mon Seigneur, amenez-moi à mon Seigneur. Lorsque le musulman meurt, il est impatient de rencontrer son Seigneur, Allah, pourquoi? Parce qu'on veut toujours rencontrer celui qu'on aime. Et celui qu'on aime, on est impatient. L'envie de le rencontrer nous brûle. On veut absolument le rencontrer, on veut absolument le voir. Et donc le musulman est pris, est enveloppé, est lavé dans un simple linceul. La simplicité. La simplicité de la mort. Regardez, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous informe que 3 suivront le musulman jusqu'à sa tombe. 2 s'en retourneront, un seul restera avec. Ces 3 sont sa famille, ses biens et ses œuvres. Sa famille et ses biens s'en retourneront. Seul restera avec lui ses œuvres. Non. Cet homme-là va rencontrer Allah avec ses œuvres. Sa famille et les gens qui sont autour de lui à ce moment-là ne lui seront d'aucune utilité. Nous allons rencontrer Allah et le musulman est pressé de rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi bien le musulman apprend dans sa relation avec son Seigneur et avec les créatures qui l'entourent, il apprend à vivre, aussi bien il apprend à mourir. Beaucoup ignorent encore comment peut-être le mort musulman est traité. Beaucoup pensent que quand un musulman décède, on le casse le cou, on brise ses os, c'est-à-dire qu'on broie complètement son corps. Est-ce que c'est une conception qui existe dans la tradition musulmane? Non, je tombe de haut lorsque vous me dites. Ah non, absolument pas. Le musulman, le corps du mort est respecté. Le corps du mort est pris, est amené, lavé, parfumé, enveloppé dans un linceul, porté, mis en tombe. C'est ça. À aucun moment, on ne touche à son intégrité physique. Bien au contraire, bien au contraire. C'est une notion complètement fausse. Ça ne vient absolument pas de l'islam. Ouais. Alors, pourquoi le musulman ne met-il pas le corps dans une caisse ou une boîte ou un cercueil, mais préfère l'enterrer directement? C'est de la terre que vous êtes venu, c'est à la terre que vous retournez. La simplicité dans cette mort. Il faut bien comprendre que la mort est celle qui va nous enlever tout ce qu'on avait dans cette vie. Est-ce que cela sert-il à quelque chose de vouloir emmener plein de choses avec nous? La simplicité dans cette rencontre avec notre Seigneur. On prend ton corps, Akhil Karim, on te lave pour que tu sois propre. On te parfume pour que tu sois propre. On t'enveloppe, on te met au sein même de cette terre. Lorsque vous assistez à un enterrement musulman, et ça a été la première fois de ma vie à Médine que je l'ai fait, j'ai été,
émerveillé par ça, je vous assure. Par cette simplicité, par le fait, on va même parler d'autre chose, au niveau économique. Mmh. Il y a des gens qui font des cérémonies et qui se ruinent. Il y a des gens qui vont dilapider l'héritage de ce mort-là pour faire une cérémonie pendant une semaine. Et les orphelins qui restaient derrière lui n'auront quasiment rien. Certains même s'endettent pour cela. En islam, tout ça, ça n'existe pas. La simplicité, à quoi cela sert-il de vouloir faire toutes ces choses-là pour le mort alors que son cas est auprès d'Allah et que ce mort est heureux de rencontrer Allah? Laissez-le partir, en paix. Encore que de son vivant, on ne l'assistait pas. On ne lui donnait pas tout ce qu'on lui donne maintenant au jour de sa mort. Allah, subhanallah. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites. Parfois, on assiste à des gens qui délaissent les morts toute leur vie, enfin, délaissent la personne qui va mourir toute sa vie, subhanallah, et ensuite, un élan de mauvaise conscience qui fait que cette personne-là va rester et va soi-disant s'afficher en étant un véritable ami. Le véritable ami est celui qui est là chaque jour pour la personne, c'est l'aider, c'est lui prouver son amour et c'est l'amener vers le bon chemin. D'accord. Dernier aspect de cette émission, le statut de la femme en islam. Autre préjugé, la femme. Alors, quelle est la place que l'islam accorde ou réserve à la femme? Alors déjà, il faut savoir une règle de base générale qui est illustrée par un verset du Coran qui est « Inna akramakum inda Allahi atqakum ». Ce qui signifie « Certes, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Ou est la plus pieuse. C'est-à-dire que la valeur d'un individu auprès d'Allah ne se fait pas par rapport au fait qu'il soit un homme ou une femme ou même un enfant ou même un homme âgé. C'est ta piété. Ce que tu fais pour ton Seigneur et quel type de relation tu as avec ton Seigneur. Est-elle forte? Est-elle sincère? Ça, c'est une chose de base. Nous n'avons pas de discrimination vis-à-vis des femmes. Autre chose qui parfois amène une interrogation assez forte, l'apparence de la femme musulmane. L'apparence de la femme musulmane qui est voilée. Je vais vous donner une règle simple. Tout ce qui est précieux est préservé. Et ça, c'est Dieu qui nous l'a enseigné, même dans la nature. Le nectar d'une fleur, la chose la plus précieuse, elle est toujours préservée. Une noix, elle est préservée par son écorce. Un arbre a son écorce. Il faut préserver la chose qui est précieuse. Nous n'avons rien de plus précieux que nos femmes. La femme, ce n'est pas simplement un élément du futur de l'islam. La femme, c'est le futur de l'islam. La femme, c'est le futur de la société. Pour une raison simple. Elle est celle qui va donner l'éducation à nos enfants. Comme on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc, cette femme-là, en tant que femme musulmane, elle est respectée en tant que musulmane et elle est l'égale de l'homme vis-à-vis de Dieu. Ensuite, maintenant, dans la vie de tous les jours, il y a aussi des obligations, il y a aussi des devoirs. L'homme se doit, lui, de ramener la subsistance à la femme, afin de lui permettre justement de pouvoir se consacrer à l'éducation de ses enfants, pouvoir se consacrer au fait de profiter de sa religion, rencontrer des amis à elle, avoir un cercle d'amis positif, éloigné de toute médisance, ou de tout mensonge, ou de toute hypocrisie. Donc l'homme est là pour préserver sa femme, pour l'aider à se préserver, et les femmes musulmanes sont des princesses qui se voient. Les gens pensent que la femme musulmane n'a pas un niveau d'études, et pourtant quand on regarde dans l'histoire du monde, il n'y a pas une femme qui a dépassé le statut de Aïcha, la mère des princes. Exactement. Le deuxième plus grand rapporteur de hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporteur des paroles authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partaient la voir, étudiaient avec elle, derrière un rideau, et prenaient de elle la science. Elle était celle vers qui on revenait lorsqu'on avait un problème juridique, lorsqu'on avait un problème personnel. Elle était celle qui, par excellence, faisait des donations. La femme en islam a, elle, l'opportunité, de pouvoir choisir ce qu'elle veut faire. Et on encourage toujours les femmes à se cultiver, à apprendre à lire, à apprendre à écrire, pour elles, pour son épanouissement personnel, et de même pour ses enfants et la vie familiale. Voilà. Voilà donc, cher frère, merci d'être passé sur ce plateau. Grand plaisir. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Bien sûr. Vous êtes avec un autre frère. Abdelkarim, Steve Abdelkarim. Steve Abdelkarim, qu'on recevra, Inch'Allah, à la prochaine émission. Inch'Allah. Sur ce, on se retrouve le vendredi prochain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.